Hello everyone, hope you are fine and doing well. Welcome to my channel, Learning French in a Fun Way. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites de votre mieux. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, apprendre le français de façon ludique. Cette fois-ci, on s'intéressera à la correspondance des temps entre l'anglais et le français. Il s'agit d'analyser et de comparer les deux systèmes temporels français-anglais afin de mieux comprendre leur construction et leur utilisation. Comment traduire une phrase du français à l'anglais et vice-versa est l'objectif de notre leçon. This lesson will interest at the correspondence of tenses between French and English. It's about analyzing and comparing tenses system of French and English for understanding their construction and use. To be able to translate a sentence from French to English and vice versa is the objective of our lesson. L'anglais entretient avec le français un rapport un peu schizophrène, à la fois proche et éloigné, ce qui nous fait oublier qu'il s'agit d'une langue parfois très différente de la nôtre. Il en résulte un certain nombre de faux amis, de fautes d'anglais commises par nos apprenants. Si le temps anglais nous paraît à la fois simple et complexe, c'est qu'il ne s'emploie pas comme leurs homologues français. On a tendance à traduire mot à mot du français à l'anglais, ce qui ne fonctionne pas à tous les coups. Je vous propose donc de reprendre un par un chacun des temps anglais et de voir dans quel cas les utiliser. Une fois que vous aurez compris, nous n'aurons aucun secret pour vous. For each tense, we look at three things. The first, structure, how do we make the tense. Second, use, when and why do you use the tense. And finally, which tense do you use when we translate a sentence. If you are ready, let's start. Je vous présente maintenant les objectifs de cette leçon. There are the goals of this lesson. Reconnaître les temps de l'indicatif du français et de l'anglais. Recognize the temps of indicative of French and English. Identifier les valeurs des temps de l'indicatif. Identify the values of tenses. Comparer les deux systèmes temporels français et anglais. Comparate the tenses system of French and English. Voici quelques verbes conjugués au présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe avoir, en anglais to have. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. En anglais, on dit I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. On va voir maintenant comment former le simple present. How do you make the present simple tense? There are two basic structures for the present simple. Il y a deux structures de base concernant le present simple. First, positive sentences, les phrases affirmatives. Second, negative and question sentences, les phrases négatives et interrogatives. Look at this board. We have subject plus auxiliary do plus main verb. Pour former une phrase, on utilise le sujet plus l'auxiliaire do, conjugué present simple plus le verbe à conjuguer. Le tableau suivant représente ce qu'on vient d'expliquer ci-dessus. Look at this example with the main verb like. C'est la conjugaison de verbe like. I like coffee, he likes coffee, don't forget the S of the third person singular. I do not like coffee, he does not like coffee, do I like coffee concernant les phrases interrogatives. Comment former le present simple tense? How to make the present simple tense? From the above table, notice the following points. À partir du tableau ci-dessus, notez les points suivants. For positive sentences concernant les phrases affirmatives, there is no auxiliary verb, il n'y a pas d'auxiliaire. We conjugate the male verb by adding S to the third person singular. On ajoute toujours le S à la troisième personne du singulier. For negative and question sentences concernant les phrases négatives et interrogatives, the auxiliary verb do is conjugated in the present simple. We say do, does. The main verb is invariable in base form, base. For negative sentences, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. Concernant les phrases négatives, on introduit toujours la particule not entre l'auxiliaire et le verbe.
For question sentences, we exchange the subject and auxiliary verb. Concernant les phrases interrogatives, on fait l'inversion de sujet et de verbe. How do you use the present simple tense? Comment utiliser le present simple tense? Voici un exemple concernant le présent français. Pour les habitudes, for habit, par exemple, il voyage beaucoup. The present simple, we say, he travels a lot. On traduit la phrase, he travels a lot. Concernant une vérité générale, general truth, comme la Terre tourne autour du Soleil, on traduit ça en utilisant le simple present. On dit, the earth goes around the sun. Concernant les actions en déroulement, action in progress, par exemple, elle travaille en ce moment. Il lui correspond en anglais le present simple. Si on traduit la phrase, on obtient he is working at the moment. La même chose pour un état qui dure, state that lasts. Par exemple, je le connais depuis des années. On traduit la phrase en anglais, on obtient I have known him for years. Action, action qui dure, action that lasts, par exemple, il lit depuis midi. On peut utiliser le present perfect continuous, he has been reading since 12 o'clock. Concernant une volonté, I wish, qu'est-ce que tu prends? On utilise will plus base verb, what will you have? Concernant la narration ou indication scénique, for a story or a direction scénique, par exemple, concernant la phrase « elle se lève et elle sort », on utilise present simple « she gets up and walks out ». Pour les histoires, on peut dire « la reine Victoria meurt en 190 ». Concernant le present simple, on peut traduire la phrase Queen Victoria died in 1901. Concernant la concordance, quand Cadence, c'est moi qui l'ai dit, on peut utiliser le present simple. On peut traduire la phrase et on obtient it was I who said it. Now look at the present continuous. Maintenant, je vous présente le present continuous. We often use the present continuous tense in English. It is very different from the present simple tense, both in structure and in use. Il est tout à fait différent de présent simple concernant la structure et l'utilisation. How do you make the present continuous tense? Comment former le present continuous tense? Look at this board. The auxiliary verb be is conjugated in the present simple. On conjugue le verbe, l'auxiliaire, pardon, be in present simple. I am, you are, he is. The main verb is invariable in present participle form, ing. Après, on rajoute seulement le ing, la forme de present participle. For negative sentences, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. On insère toujours concernant les phrases négatives la particule not. For question sentences, we exchange the subject and the auxiliary verb. On fait toujours l'inversion du sujet. How do you make the present continuous tense? Look at this example, sentences with the present continuous tense. Voici un exemple. I am speaking to you. You are reading this. She is not staying in London. We are not playing football. Is he watching TV? Are they waiting for John? How do you use the present continuous tense? Comment utiliser le present continuous tense? We use the present continuous tense to talk about first action happening now, des actions qui se déroulent maintenant, action in the future, pour décrire des actions qui se dérouleront au futur. On va voir maintenant comment former le present perfect. How do you make the present perfect tense? The structure of the present perfect is
The auxiliary verb have is conjugated in the present simple, have and has. The male verb is a variable in past participle form, ib. Donc, pour conjuguer un verbe au present perfect, on utilise l'auxiliaire have plus la forme de participe passé, ib. For negative sentences, we answer not between the auxiliary verb and the main verb. For question sentences, we change the subject and the auxiliary verbs. And then look at this board or table. You have an example conjugate. For example, we say, you know, on dit par exemple, I have working. Look at this example sentences with the present perfect tense. I have seen it. You have it in mind. She has not been to Rome. We have not played football. Have you finished it? Have they done it? How do you use the present perfect tense? Comment utiliser le present perfect tense? This tense is called the present perfect tense. There is always a connection with the past and with the present. We use the present perfect to talk about experience, change, continuing situation. Donc, on utilise toujours le present perfect tense. Il a toujours une connexion avec le passé et un effet ou une conséquence dans le présent. Toujours, il y a une relation entre le présent et le passé. Present perfect for experience. We often use the present perfect to talk about experience from the past. On utilise toujours le present perfect pour parler des expériences qui se sont déroulées au passé. We are not interested in when you did something. We only want to know if you did it. Connection with the past. The event was in the past. C'est l'action s'est déroulée dans le passé. Connection with the present. In my head now, I have a memory of the event. I know something about the event. I have experience of it. Donc, j'ai une expérience. J'ai une expérience dans ma tête concernant cet événement. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, je me rappelle toujours de cet événement. Look at this board. There are some examples. Voici quelques exemples. I have seen an alien. He has lived in Bangkok. Have you been there? We have never eaten caviar. Look at now how do you make the present perfect continuous tense. The structure of the present perfect continuous tense is the first auxiliary have is conjugated in the present simple have. The second auxiliary be is a variable in past participle form being. The main verb is a variable in present participle form ing. For negative sentences, we answer not after the first auxiliary verb. For question sentences, we exchange the subject and first auxiliary verb. Look at this example sentences with the present perfect continuous tense. We use subject plus auxiliary have plus auxiliary be plus the main verb. Look at this example sentences with the present perfect continuous tense. I have been waiting for 1 hour. You have been talking too much. It has not been raining. We have not been playing football. Have you been seeing her? Have they been doing their homework? Par exemple, je ne l'ai pas vu depuis 1 heure, si on traduit cette phrase en français. How do you make the present perfect continuous tense? Present perfect continuous for past action just stop. We use the present perfect continuous tense to talk about action that started in the past and stopped recently. On utilise le present perfect continuous pour parler des actions qui ont eu dans le passé et qui ont eu des effets dans le présent ou bien qui se sont arrêtés en ce moment. There is usually a result now. I am tired because I've been running. Je suis fatigué parce que j'ai couru.
Donc on voit que l'action s'est déroulée dans le passé et terminée dans le moment présent. Present perfect continuous for past action continue now. We use the present perfect continuous tense to talk about action that started in the past and is continuing now. This is often used for or since. Donc on utilise le present perfect continuous pour parler des actions qui ont eu lieu dans le passé et qui n'ont pas encore terminé au moment où l'on parle. For example, I have been reading for 2 hours. J'étudie pendant 2 heures. We have been studying since 9 o'clock and we are still studying now. Nous étudions depuis 9 heures pile. How long have you been learning English? Combien de temps apprends-tu l'anglais? We have not been smoking and we are not smoking now. Nous ne fumions pas. Look at this example. I have been reading for 2 hours. The action that started in the past and is continuing in the present. L'action a commencé dans le passé et se déroule encore dans le moment présent. How do you make the past simple tense? Comment former le past simple tense? There are two basic structures for the past simple tense. Il y a deux structures de base concernant le past simple tense. Positive sentences, negative and question sentences. Look at these examples with the main verbs go, regular and work, regular. How do you make the past continuous tense? Comment former le past continuous? The structure of the past continuous tense is la structure A. The auxiliary verb B is conjugated in the past simple. L'auxiliaire B est conjugué au past simple. On obtient was, were. The main verb is a variable in present participle form ing. Après, on rajoute la forme ing. For negative sentences, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. For question sentences, we exchange the subject and the auxiliary verb. Concernant les phrases négatives, on introduit la particule not entre l'auxiliaire et le verbe. Concernant les phrases interrogative, on fait l'inversion du sujet. Et on voit un exemple dans le tableau suivant. Look at this example sentence with the past continuous tense. I was watching TV, you were working hard, he was not helping Marie, she was not helping Marie, we were not joking, where you been Sally, were they playing football? How do you use the past continuous tense? Comment former le past continuous? The past continuous tense expresses action at a particular moment in the past. Le past continuous exprime une action qui a eu lieu à un moment particulier dans le passé. The action started before that moment but has not finished at that moment. L'action a commencé avant ce moment mais il n'est pas terminé à ce moment. For example, yesterday. When we use the past continuous tense, quand utiliser le past continuous? Our listener usually knows or understands what time we are talking about. Notre auditeur connaît souvent à quel moment nous parlions. Look at these examples. I was working at 10 p.m. last night. Si je traduis la phrase, je travaillais à 10 heures la nuit précédente. They were not playing football at 9 a.m. this morning. Il ne jouait pas le football à 9h ce matin. Le passé composé. Elle exprime donc une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Exemple, nous avons regardé un film et sont arrivés il y a 1 heure. La construction du passé composé. C'est un temps composé. Cela signifie que la forme conjuguée
utilise l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif et le participe passé de verbe à conjuguer. Et voici quelques exemples des verbes conjugués au passé composé. Je vous présente maintenant les temps qui correspondent au passé composé en anglais concernant un événement révolu. Dans la phrase suivante, elle est venue, on peut utiliser le simple past. Si on traduit la phrase, on obtient he came, he saw, he conquered. Concernant un événement révolu avec conséquence au présent, I finished the event with the consequence in present. Ils ont dépensé tout leur argent, par exemple. Ça lui correspond le present perfect simple. On traduit la phrase, on peut dire they have spent all their money, etc. Action dont les effets se font sentir au présent. Action that effect take place in present. Par exemple, dans la phrase j'ai travaillé durement récemment, voilà pourquoi je suis fatigué. Ça lui correspond le present perfect continuous. Si on traduit la phrase I have been working hard recently, etc. Passons maintenant à l'imparfait. Voici quelques temps qui correspondent à l'imparfait en anglais. Concernant la notion d'habitude, habit, dans la phrase « elle fumait à cette époque », on peut utiliser le simple past ou bien « used to » plus « verb », action qui ne se fait plus. Par exemple, « I smoked in last day »,« I used to smoke in last day ». Concernant les actions prévisibles, par exemple, dans la phrase après le dîner, il allumait toujours un cigare. On peut utiliser would plus base verb. After, si on traduit la phrase, after dinner, he would always light up a cigar. Situation prévisible, après le dîner, il était sûr de trouver tout le monde assis. On peut utiliser would plus verb plus ing. After dinner, everybody would be sitting around the table. Action en déroulement ou action en progression, elle les est devant le feu. Alors on peut utiliser le continu. She was reading in front of the fire, si on traduit la phrase. État qui dure au state that lasts. Dans la phrase, il la connaissait depuis des années. On peut utiliser le past perfect. He had known her for years. Action qui dure, action that lasts. Dans la phrase « elle lisait depuis 9 heures », on peut utiliser le past perfect continuous « she had been reading since 9 o'clock ». It's the end, wish you the best, keep in touch. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.